Ensenye nou a byen konte nou jou Afen ke nou aplikyon notre kèr A la sajes Nan denye epizode la Nou tap gade koman Ezekias malade Nan ou maladi ki tap gale kose sa pèr Tap gale kose la mol e Ezekias nan konfujyon l Ezekias aposhe boko de bon die Poswè si sa kèlte kon fè mye Ezekias ensegnye nou Lorsque nous sommes en situation, à côté, nous confus, c'est bon Dieu que nous approchons. Deux Rois, chapitre 20, versets 1 à 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Ammot, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Lorsque la vie approche un monde de travers, ça que la vie le plus souvent fait, non? Dépendent de ça que la vie joigne en nous. Quelle que soit la crise que le monde fait face, crise crise a toujours un caractère révélateur. Crise crise a révélé de qui ça nous fait en tant que monde. Soit que crise a révélé le pire en nous, ou bien crise a exposé le meilleur en nous. Et c'est ça que dans Proverbe 24, le verset 10, auteur a dit, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Maladie que Ézéchias te vive là t'es hein? semble semblait son maladie qui t'a épuisé sa force physique. Mais ce une maladie ça pas atteint sa force spirituelle. Et on a impression pour sa force spirituelle, Ézéchias était intact. C'est ça que Paul a parlé Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. De Corinthiens 4.16 16. Parce que fort souvent, lorsque nous affectés dans le corps physique, nous, spirituellement, nous trouvons intacts. Et c'est là, gagnons avantage que nous gagnons lorsque nous avons Dieu. Parce que la Bible dit que... L'esprit soutient le corps, mais l'esprit qui a battu, qui s'acassoute nul. Et son gros avantage que Chrétien a gagné, lorsque l'incapable capable de mon Dieu, même lorsque physiquement il est épuisé, même lorsque physiquement il est incapable, même lorsque son homme extérieur se détruit, mais la Bible dit que notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. Et donc Ézéchias, puisque homme intérieur il fort en dépit du fait que col était affaibli physiquement, Ézéchias a prié bon Dieu. Lorsque au lit prié Ézéchias là, côté Ézéchias a dit bon Dieu, tu sais Seigneur comment j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Lorsque a prié ça, comme souhait prié ça, t'as semble un marchandage. C'est comme si Ézéchias a appelé bon Dieu mais ça me fait pour où Donc ou même voir faire un bagage pour moi. Il est vrai que il y a des gens qui approchent la prière comme ça, qui approchent la prière comme un deal, comme bon yo un bon Dieu qui dette une dette envers eux-mêmes, un bon Dieu qui n'a pas acheté crédit dans mes personnes pour qu'ils aient dette envers eux. Mais lorsqu'on va aller dans la profondeur de la prière, la prière ézéchiasse n'est pas véritablement une prière de marchandage. Il est vrai que c'est sembler ça, mais la prière Ezekias là. Le, c'était l'expression de volonté Ézéchias pour continuer à vie, Bon Dieu jusqu'à ce que Bon Dieu balion successeur y a monde qui à ce trône. Donc, dans sens ça, la prière d'Ézéchias, c'était une prière qui était en alignement ensemble avec volonté Bon Dieu, et c'est ça que fait Bon Dieu par misé pour exaucer Ézéchias. Tendez ça, elle dit dans le verset 4. lorsque Ézéchias finit prière Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lui dit en ces termes :« Retourne », et dit à Ézéchias, chef de mon peuple :« Ainsi par l'Éternel, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. » C'est-à-dire que son prière qui répond sauve immédiatement, son prière qui répond sans attendre, sans que Ezekias pat gen pou li te tan. Ezekias priye, bon die repon ni sur le kou. Donk, mba kouè, se paske bon die te pren nan chantage, ni nan marchandaj, ki fel te oblije kou yi repon Ezekias nan ita sa. Takoum dadou, priye a fèt a mâche presè, repons lan fèt a mâche presè tou. Bon die pa mâche presè li men. Men kalite deye priye Ezekias la, se ke Ezekias ta priye selon la volonté de Dieu, parce que volonté bon Dieu c'était qui ça? Volonté bon Dieu c'était que faut toujours gagner un monde, un successeur qui chita sur le trône de David et dernier monde qui t'apprête à le chita sur le trône de David là, t'apprête à Jésus Christ. Mais comment ça t'a à le faire possible si Ézéchias mourit? Donc Ézéchias t'a prié selon la volonté de Dieu et c'est ça ça veut dire lorsque la Bible dit prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus, je l'ai dit, priez selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Jésus. Il y a un monde qui prend le nom de Jésus comme un mot magique, ou bien comme une incantation, ou bien comme un code secret pour capable de faire bon Dieu bouger sous le Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom magique. Ce n'est pas que vous ou dissolvez dans la prière parce que vous conclut conclu la prière ou conclu le nom de Jésus pour que bon Dieu t'en déroule. Il y a des gens qui ont demandé l'amour pour l'ennemi, et puis ils ont fini, ils ont au nom de Jésus. Comme si parce que ils ont prié au nom de Jésus, il faut que bon Dieu tendez, pendant que bon Dieu dit au nom de l'ennemi. Le nom de Jésus, ce n'est pas ça lié. c'est pas un bon mot magique que lié. Prier au nom de Jésus, je l'ai dit, prier selon la volonté de Jésus. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que l'on doit Il faut qu'on ait dans qui s'en soit prié. Et c'est ça que la Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi c'est à dire pour ne pas écouter sa, la parole de Dieu sa prière même est une abomination c'est à dire que si on monde a prié sans connaissance si on monde a prié sans que le pas, est monde la prière prières ont abomination même lorsque lorsque la conclue prière elle conclut le nom de Jésus mais faut prière dit un en aliment ensemble avec volonté bon Dieu et c'est ça que Ézéchias tape fait Lorske vizyon nou li alinye ansem ave volonté bon dieu, se la ke mirak yo fèt. Ezekias tap priye selon la volonté de dieu ki te toujou di ke tronda vid la pap jam rete vid sa ke pa gon wak chita sou li, eternelman. E donk si Ezekias te mouri, lan mo Ezekias la, li tap pral yon handicap pour la réalisation de la promesse de Dieu, la promesse faite à David. au bon Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un pécheur pour se repentir. Et donc si bon Dieu par contre bail mentir, n'est pas capable mourir. Donc la maladie d'Ezéchias, c'est ton épreuve. Même Dieu si bon Dieu permet que nous éprouver. Donc Bon Dieu permette que Ezekiel soit capable d'éprouver, parce qu'il a révélé à Ézéchias certaines choses qui n'ont pas Parce que souvent, nous ne pas de tête, nous. Mais bon Dieu permette que nous fassions des expériences pour nous être qu'on de connaître véritablement qui est ce Donc lorsque Ezekiel vit l'événement événement Hézekias une nouvelle perspective sur la vie. Ézéchias a pas la vie d'une autre façon. Il y a une autre bagaille que Ézéchiel a une meilleure compréhension de lui-même, c'est la prière. Parce que Ezekiel a réalisé réaliser qu'on a là. Lorsque la prière, c'est que, que la collaborer avec Dieu, parce que prières-là sont prières faites selon la volonté de Dieu. Ou toutes les fois, on prier selon la volonté de Dieu ou prier au nom de Jésus. Parce que volonté, bon Dieu, Est êtes fait sous, nan, sous terre et dans le ciel-là. Donc lorsque nous-mêmes, n'a avons prié, c'est même bagage que nous faisons. Lorsque nous avons prié, nous collaboré avec Dieu. Donc, mes nécessités pour que les chrétiens soient capables de prier au nom de Jésus. Et prier au nom de Jésus, par le dit l'autre bagaille, que prier en accord avec la volonté de Jésus. C'est comme si lorsque vous priez au nom de Jésus, vous prier même si Jésus t a prié, mais qui ça t'a dit. Et c'est ça qu'elle a besoin. Vous besoin qu'on ait volonté, bon Dieu. Parce que si vous n'avez pas une volonté, bon Dieu, vous n'est pas capable de prier, bon Dieu, en façon pour que bon Dieu t'en déroule. Et c'est ça que l'apôtre Jacques dit nous prier, nous demander, mais nous ne pas joindre, parce que nous demandons mal, nous demander pour nous satisfaire pour la Donc, Ézéchias, bah nous a un modèle, nous a un exemple de lorsque nous prier, nous avons besoin d'assurer que volonté volonté dit en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est ça ça veut dire prier au nom de Jésus. Et dans le prochain épisode, là, nous parlons ça que bon Dieu t'a accordé à Ézéchias qui cadeau que bon Dieu t'a fait à Ézéchias et comment Ézéchias t'a géré cadeau ça, c'est ça que nous pouvons dans le troisième épisode là